Dernier conseil qui ne concerne pas le remisage, toutefois, c'est de se procurer une lame de spring, en bon français, de rechange. Moi, autant pour mes remorques pour le bateau que pour transporter le VTT, j'ai toujours une lame de rechange de secours. Ça m'est arrivé d'avoir un pépin là, sur un chemin assez éloigné, et puis c'est pas bien ben comique là, d'être pris sans lame. Là. Il faut y aller avec les moyens du bord. Donc on va se couper un morceau de bois pour essayer de soulever la remorque, et puis ça va pas super bien. Et puis disons qu'on veut pas que ça nous arrive, ça. Mais quand ça arrive, si on a pris la peine de s'amener une lame de rechange, avec les outils nécessaires, évidemment, là, tout ce qu'il faut pour faire le travail, eh bien là, on est en business. On peut sortir ça, en moins d'une demi-heure, là, tout est réparé et puis on est reparti. Si on n'a pas la lame de rechange, on peut parler de plusieurs heures de problèmes et voire de perdre une ou deux journées. Donc, dorénavant, moi, j'ai toujours une lame de rechange avec moi. Que ce soit pour remorque du bateau ou pour remorque VTT, c'est devenu incontournable. Ça fait partie de mon équipement et puis je vous le conseille fortement pour éviter les problèmes qui pourraient vous arriver sur des chemins secondaires assez rough. Bonne fin de saison.